Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais présenter mes cadeaux de Noël. Ça fait deux fois que je le filme, donc c'est en train de me gonfler au max, mais bon. Donc bon, je vais commencer. C'est bon, hein, tu regardes pas. Oui. Donc je vais commencer. Déjà, il y a le tableau que ma soeur m'a offert, qui est trop beau. Donc c'est les reliques de la mort dans Harry Potter, mais bon ça je pense que tout le monde est au courant, ou alors voilà. Donc voilà, vraiment, franchement il est hyper beau, par contre je sais pas du tout où le mettre pour l'instant, mais bon. Arrête. Donc bref, il est grave beau, je sais pas encore où le mettre, mais très contente pour ça. Bon, ensuite elle m'a aussi offert ça, donc une pop de Ron. Moi mes personnages préférés, donc c'est Ron, dans Harry Potter c'est Ron. Severus et Hermione, donc je suis très très contente d'avoir Ron, et je pense que je vais peut-être du coup m'acheter les autres. Après je sais pas non plus où est-ce que je vais les mettre, parce que dans un petit appartement un peu compliqué, mais grave contente. Petite pop, ok. Ensuite, bon, on va se passer à l'écharpe parce que bon, ça se trouve j'ai l'air conne avec, mais bon, l'écharpe c'est la mère de mon copain qui me l'a offerte, et elle est hyper douce, elle est longue, elle est noire. Et bah, je suis très très contente de l'avoir, vraiment. Elle est grave douce, je sais même pas si ça se voit comme qualité, genre... Je sais pas si ça va se voir, mais elle est grave bien. Du coup, je la mets parce que comme ça, ça cache mon double menton. Puis voilà quoi, hein. Ensuite, avec ma soeur, il y avait quoi? Ah oui, il y a ça. Donc c'est une... Ah ouais, je suis en train de... C'est une pochette pour la Switch. La Switch normale de base. Moi j'ai une Switch Lite, mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas dit que je m'achète la normale un jour. Mais donc voilà, je suis très contente. Ça fera l'affaire. Et c'est avec des gravures. Ça se dit comme ça, gravure? Ouais. Gravure Zelda. Breath of the Wild. C'est le jeu que je suis en train de jouer actuellement. Et vraiment, il est trop beau dessus. Elle est magnifique. La petite pochette. Bon, du coup, je suis grave contente. Et avec ça, parce que bon, elle a pas fait dans la demi-mesure celle-là, mais bon. Elle m'a aussi offert ça avec. Trop beau, trop beau. Donc, c'est c'est un livre collector de Zelda pour le jeu Breath of the Wild. Et dedans, du coup, il y a toute l'histoire de Zelda, me semble. J'ai pas encore lu, mais ça relate un peu l'histoire. Et les comment dire, les Solus, il y a des Solus, il y a aussi la biographie de chaque personnage. Donc franchement il a l'air archi bien, et il est hyper lourd, il est gros, il est balèze, il a l'air hyper lourd, mais vraiment il est magnifique, ce livre est magnifique. Alors, je sais pas si on peut montrer une image par exemple, je sais pas si ça se voit, voilà. Donc là je crois que je suis tombée sur la page où il y a différentes tenues pour les différents endroits où il faut aller dans le jeu. Voilà. C'est vraiment beau. Je pense qu'il y a des paysages au début. Je vais peut-être montrer ça. Là par exemple. C'est grave beau. Et il n'y a pas une autre. Donc, c'est grave lourd hein, aussi. Là. Oh là là. C'est trop beau. Bref. Donc franchement, il est... J'aime beaucoup, je savais même pas que ça existait, et bah, elle l'a trouvé, elle m'a acheté, donc je suis grave contente. Donc je vais pouvoir le feuilleter, et puis bah, ça m'aura rappelé aussi des souvenirs. Hein. Donc voilà, donc, je suis trop contente, sachant que le jeu, je l'ai même pas encore fini, je crois que je suis que à... Allez, franchement, je dirais quand même 20%. 20% du jeu, et encore même pas, peut-être 15%. Parce qu'il y a tellement de choses à faire là-dedans. Donc voilà. Et elle m'a aussi offert, donc pour aller avec Harry Potter de l'autre côté, elle m'a aussi offert ça. Donc ce sont tous les livres. Donc c'est un coffret collector de Harry Potter. Si je montre à l'envers, voilà. Et dedans il y a tous les livres en fait. Donc en plus la boîte elle est grave belle. Voilà. On dirait un petit coffre. Un petit coffre comme ça. Juste. Donc ça c'est aimanté. Faut juste ouvrir. Et là, il y a tous les livres. Oh, c'est grave stylé. Et du coup, moi, je suis une grosse fan hein, de Harry Potter. Mais donc les films, je les ai refaits plusieurs fois. Mais par contre, les livres, je les ai jamais lus.
Donc, bah, la taper dans le mille, hein, pour une fois. Il y a un truc dans Harry Potter que je connais pas, bah, c'est bien les livres que je n'ai pas lus. Donc, franchement, je suis grave contente pour ça. Je crois que pour ma soeur, c'est terminé. Elle m'a fait plein de cadeaux. Je suis grave choquée. Mais bon, pour une fois, hein, parce que c'est une grosse radine de base. Hein, donc, pour une fois, bon, bref. Et sinon, pour la meilleure amie de la meilleure amie de ma mère, elle m'a offert ça. Donc, c'est un petit coffret de chez Nocibé, un coffret maquillage. Voilà. J'ai jamais testé le maquillage de chez Nocibé. Par contre, la boîte, elle est grave belle. On dirait une boîte un peu pour les parfums. Comment ça s'appelle déjà le parfum? La petite... non, là, pas la petite robe noire. On dirait un truc de parfum, quoi. Je l'ai pas encore ouvert. Je sais pas encore à quoi ça ressemble. Mais bah, je suis grave contente aussi pour ça. Je vais pouvoir tester au moins le maquillage Nocibé. Après, c'est vrai que c'est pas des trucs que moi j'irai voir forcément. Je préfère les grandes marques comme Huda Beauty ou Too Faced, etc. Mais pourquoi pas tester, hein. J'ai plein de trucs pas chers qui sont de très bonne qualité, donc on sait jamais. Hein. Moi, je me suis fait un cadeau à moi-même aussi, donc c'est ça, l'oracle de Gaïa. Ce sont des cartes de tarot, en fait. Donc c'est des cartes divinatoires, on va dire. Hein. Bon, c'est pas non plus truc de ouf, hein, je suis pas Dieu. Mais genre c'est un, on va dire c'est un espoir pour essayer d'avoir un avenir, savoir un peu ce qui va se passer dans l'avenir, etc. Ou alors faire un travail sur soi-même. De toute façon j'aime bien tout ce qui est spirituel, donc bah, je vais tester. Bon, j'ai déjà testé et ça a plutôt bien marché sur moi. C'était exactement ça. Sur mon copain, alors lui il est tellement pas dedans que ça a pas du tout marché. Donc bref, donc je vais vraiment m'y pencher dessus par contre. Et ma soeur elle s'en a acheté aussi. Non, je lui ai offert pour Noël. Je lui ai offert des cartes l'oracle du miroir. À la base je voulais prendre la même chose, mais je me suis dit voilà, vaut mieux qu'on ait des cartes différentes, hein, pour voir un peu ce que ça donne. Et bah, elle est grave contente aussi parce qu'elle commence à s'y mettre aussi dedans. Donc tout ce qui est astrologie, tout ce qui est les planètes, enfin l'univers des planètes, etc., de l'astrologie. C'est comme ça que ça se dit. Bref, donc elle commence à s'intéresser un peu à tout cet univers. Moi, je m'y intéressais déjà depuis un moment. Je lis un peu ce qu'il y a dessus sur Internet et je regarde aussi des vidéos de personnes qui en parlent, comme Shera, comme Emma Bossé, comme... puis d'autres personnes sur Instagram. Là, j'ai pas les noms là tout de suite, mais à chaque fois ça m'intrigue, donc voilà, je me suis acheté aussi et franchement la boîte elle est magnifique. Donc voilà, là c'est le petit livret et les cartes ils sont dans un petit pochon comme ça, c'est trop mignon. Donc là je vais pas tout ouvrir, mais voilà, je suis grave contente et j'ai grave hâte de vraiment m'y connaître un peu plus. Regarde ce que... B, s'il fait tomber la lampe c'est terminado, hein. Ouais, je suis pas sûre. Donc voilà, je crois que j'ai montré tout pour ma soeur et tout. Et mon copain du coup, il m'a offert des chaussettes. Donc ça c'est parce que vraiment j'en ai besoin. Parce que toutes mes chaussettes sont trouées. Bon, moi je les ai achetées tous à Primark et à H&M. Donc c'est les lots qui coûtaient pas cher, là, 6 euros, je sais pas quoi. Et au fur et à mesure, bah, du coup elles sont trouées. Donc il m'a acheté, il en a eu marre, il s'est dit allez hop. Je vais en acheter 40 000. Là, je suis grave contente, hein. Ça me fait des chaussettes, hein. Moi j'aime bien. Je sais pas où mettre. Ok. Et il m'a aussi offert ça. C'est le Bibi. C'est le Bibi. Il est trop beau. Un petit panda et il est hyper doux. Il est tout mou aussi pour dormir avec. Il est tout mou. Et franchement, je le trouve trop mignon. J'adore les pandas, moi. Je me suis même fait tatouer ici une patte de panda. Donc, j'adore. Trop contente, trop mignon. Oh, si on entend du bruit derrière, c'est le chat qui est en train de voilà, c'est son quart d'heure de conneries. Donc bon. Il m'a aussi offert des vernis de chez Yves Rocher. Maintenant que je peux en mettre, ben, je pense que je vais en mettre tout à l'heure parce que vraiment, ça fait grave longtemps que moi, j'ai pas mis de vernis sur mes ongles. Au vu de mon travail, je n'avais pas le droit. Mais maintenant que je suis encore confinée, ben, enfin pas confinée, mais encore au chômage partiel, bref. Du coup, je peux en mettre. Et ben, du coup, je suis contente que je n'avais qu'une couleur et c'était une
couleur orange qui est devenue dégueulasse au fur et à mesure du temps, vu que je l'avais acheté à Kiko il y a maintenant, bah, c'était avant que je travaille là où je travaille, donc c'était il y a bien peut-être 4 à 5 ans, hein, donc il est un peu pourri maintenant, donc voilà, je suis grave contente. Donc là, toutes les couleurs, je les kiffe de ouf. Peut-être sauf la fuchsia, là. Que je mets pas vraiment de rose, moi, sur mes ongles. J'aime bien tout ce qui est un peu sobre ou alors couleur chair, comme ça. Ça passe. Voilà. Là, je suis vraiment contente. Je pense que tout à l'heure, je vais mettre celle-là, la couleur rouge. Trop bien. Et il m'a aussi offert un jeu de dames. On a joué à ça hier. Et bah, j'ai gagné, donc je suis contente. Parce que je suis trop forte en fait, j'ai trop une logique de ouf. Ah, j'espère que ça part pas des petits pochons. Non, je sais pas. Donc voilà. J'aime pas. Et donc voilà, sa mère, elle m'a offert une écharpe que je kiffe de ouf. Elle m'a aussi offert une lampe que je vais montrer tout à l'heure. Que je vais montrer tout à l'heure parce que là elle est posée et en plus elle est un peu fragile donc je vais pas la prendre comme ça quoi. Et c'est tout. Faut pas faire attention à mon bordel, mais voilà la lampe. Elle est grave belle. Je vais l'allumer. Voilà ce que ça donne. Et franchement ça, bah, ça illumine bien. Donc franchement je suis contente. Elle est très très belle. Et bon, mon copain m'a aussi offert. Donc une balance avec un chat à côté qui veut se peser apparemment. Et du coup ça montre tout. Comme je disais, ça montre tout. Ça montre bah, la graisse corporelle, le taux de litres d'eau dans le corps, le muscle, etc. L'IMC, du coup, ben, c'est bien. Comme ça on peut savoir pourquoi on prend, enfin ce qu'on a pris et qu'est-ce qu'on perd, etc. Donc c'est bien. Donc je suis contente. Et voilà, il manquait juste ça, j'avais oublié, donc je le rajoute. Et bien, c'est tout. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et c'est déjà beaucoup. Après, bon, j'ai eu voilà, un petit cadeau de mon frère aussi. Hein, tu connais l'argent, tout ça. Donc, bah voilà. Franchement, c'était, je suis grave contente. Moi, je pensais pas, parce que vraiment, moi, les cadeaux, c'est pas ma priorité du tout. Tout ce qui est Noël, anniversaire ou quoi, moi les cadeaux c'est vraiment le truc que je demande le moins. Mais du coup je suis surprise parce que je m'attendais pas du tout à tout ça, mais je suis grave contente. Et l'année prochaine c'est sûr, c'est moi je fais des cadeaux à tout le monde, ça c'est sûr et certain. Voilà, cette vidéo est terminée. Elle était pas très longue en fait, donc ça va. Et ben, j'espère que tout le monde a été gâté à Noël. Et que tout le monde a pu les passer avec sa famille, parce que bah, du coup moi j'ai pu le faire avec ma famille, donc je suis grave contente. Je l'ai fait hier, on est quoi aujourd'hui? 28? On est quoi? 28? 29. Bon, on est le 29 décembre, mais on l'a fêté avec mon copain hier, 28 du coup, et avec ma famille, bah, le 24. Voilà, bah, je suis grave contente, j'espère que tout le monde aussi a été gâté. Et bonne fête, bonne année à tout le monde, joyeux Noël, et voilà. Fais des gros bisous, et cette vidéo est enfin terminée. Bye. C'est bombé. C'est bon, t'es bon. Ouais.